Prenez place, les enfants. Et en route pour les nouvelles aventures époustouflantes de Super Alfred contre l'horrible Polpox. Non ? Où êtes-vous, les copains ? Ah, vous voilà ! Eh bien, tu en fais une drôle de tête, Super Alfred ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, je vois. Poulpox t'a encore embêté. Mais enfin, Super Alfred, tout le monde sait que tu es plus fort que Poulpox ! Et que Poulpox vole moins vite que toi ! Je dirais même qu'il réfléchit moins que toi ! Alors vraiment, je ne vois pas où est le problème. Ah, j'ai compris. Tu boudes parce que Poulpox est le plus grand de vous deux. C'est vrai, mais ce n'est pas grave. Parce que toi, tu es le plus sympathique et le plus beau. Et toi, Poulpox, tu es vraiment le moins gentil. Oh, pardon, Poulpox. Je ne le pensais pas vraiment. En fait, je vous aime autant l'un que l'autre. Maintenant que vous avez fait la paix, on va pouvoir jouer aux devinettes. D'après vous, quel est le point commun entre tous ces mots? C'est bien ça! Ce sont tous des adverbes. Ainsi, plus sert à exprimer la supériorité. Comme dans la phrase, Super Alfred est plus fort que Poulpox. Et moins sert à exprimer l'infériorité. Comme dans les phrases, Poulpox vole ou réfléchit moins vite que Super Alfred. On utilise souvent ces adverbes pour comparer. Vous vous demandez ce que peut bien exprimer l'adverbe « autant ». Eh bien, il exprime une égalité. Comme dans la phrase « Je vous aime autant l'un que l'autre ». Oui, mais nous, on t'aime plus fort parce qu'on est deux. Oh, comme c'est gentil! Oh, vous êtes vraiment les plus choux tous les deux.